Hello YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. Ce sera mon premier vlog. Donc comme vous pouvez le constater, je ne suis pas chez moi aujourd'hui. Enfin, ce n'est pas le fond habituel. Je suis chez mon frère et parce qu'il habite à Paris, ce qui va me permettre d'aller aujourd'hui au salon de Montreuil et j'y serai jusqu'à samedi. Donc nous sommes le 1er décembre, mercredi 1er décembre. Non, jeudi 1er décembre. Et je m'apprête à partir pour Montreuil et je vais essayer de faire quelques vidéos si j'y arrive. C'est vraiment la première fois, donc soyez indulgents. Et je vous emmène avec moi. C'est parti! Alors, je vous retrouve, c'est le deuxième jour de Montreuil aujourd'hui. Hier, j'ai essayé de filmer un petit peu, comme vous allez pouvoir le voir, mais il y a énormément de monde. Enfin, hier, c'était impressionnant. Même les maisons d'édition m'ont dit qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde. En fait, il y a eu toutes les sorties scolaires. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves et ça courait dans tous les sens. Enfin, c'était... J'ai décidé aujourd'hui d'y aller avec des boules caisses parce que, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je suis autiste et le bruit c'est vraiment quelque chose qui me perturbe. Donc, pour mon bien, je vais y aller avec des boules caisses parce que, même avec mes écouteurs hier, c'était pas possible et puis c'était pas très pratique non plus. Je vous retrouve toujours dans ce cadre un peu particulier avec la caméra qui n'est pas la même que d'habitude, donc je m'excuse de la qualité. Si vous entendez du bruit derrière, c'est l'oiseau de mon frère. Voilà. Il a un petit oiseau vert et il aime chanter, et il a bien raison. Et voici l'auteur de tout ce boucan quand je filme. Coucou, Dodo. Hier, du coup, j'ai pu faire le salon de Montreuil et le soir, je suis allée à la librairie Le Renard Doré, sachant qu'il y avait une dédicace à partir de 19h, mais je ne pouvais pas y être. Donc, une dédicace de Tom et Nathan Lévesque, donc ceux qui ont écrit... En quête d'un grand peut-être, donc le guide de littérature ado. Je vous mettrai la photo juste là, sachant que je l'ai acheté et je l'ai fait dédicacer pour l'instant que par Tom parce que Nathan n'était pas là quand je suis passée. Je vais essayer d'y retourner aujourd'hui. Je ne connaissais pas la librairie Le Renard Doré, mais c'était super. Elle est magnifique cette librairie. Normalement, je vous aurais mis 2-3 inserts de photos, sachant que j'ai pas pu filmer parce que bon. Il y avait du monde et je me sens pas forcément toujours à l'aise de filmer, mais j'ai pris 2-3 photos et j'ai pu croiser Chloé, des lectures de Chloé, et on a papoté pendant bien un quart d'heure. C'était génial de la croiser là. Enfin, je m'attendais tellement pas à la voir. Et c'est quelqu'un de super gentil. Enfin, vraiment, si vous la connaissez pas, foncez. Elle a une chaîne YouTube et un compte Instagram. Elle est très active. Et elle est plutôt dans la lecture jeunesse, young adulte, sachant qu'elle lit beaucoup d'albums et elle nous montre de ses pépites vraiment foncées si vous connaissez pas. Donc c'était une super journée, c'était très 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 fatigant, mais c'était une super journée. Et aujourd'hui, du coup, je me lance dans ma deuxième journée, sachant qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs dédicaces absolument à faire. Enfin, absolument. Si je peux, je vais essayer.
Sachant que normalement je voulais voir Sieyès Pacate, mais vous avez dû voir l'oiseau. Je voulais voir Sieyès Pacate, mais je me suis levée trop tard et il y a beaucoup de monde qui veut la voir. Il fallait un ticket. Mais j'ai appris qu'elle faisait une dédicace à Lyon, comme la dernière fois j'ai pu voir Jennifer et Alric Twice pour la passeuse de mots. Donc cette fois j'irai aussi à Lyon pour voir Sieyès Pacate, ça sera plus simple. Je me suis déjà inscrite. Donc, je me sens un peu mieux. Là, La première dédicace que j'aimerais faire, c'est Louise Arrête qui a écrit Riposte, qui est un de mes derniers coups de cœur. Je vous en ai pas encore parlé. Et j'ai vraiment trop, trop, trop hâte. Je vous emmène avec moi. C'est parti. J'ai pris un peu de photos, je voyais envoyer. J'ai mis un petit peu de temps à filmer parce que je vous avoue que je suis bien bien fatiguée, ça m'a épuisée. Enfin, je vous laisse imaginer pour déjà pour quelqu'un de neurotypique, le salon était épuisant, mais alors pour quelqu'un d'autiste, le bruit, le monde, la sociabilisation, ça se dit ça? En tout cas, ouais, bien bien fatiguée, mais des étoiles plein les yeux, vraiment, c'était exceptionnel comme. Comme événement, j'ai pu rencontrer des gens que j'admire. J'ai rencontré Alison Germain, j'ai rencontré le souffle des mots, donc Audrey, qui a été adorable alors qu'elle était super pressée. J'ai rencontré Anaïs de Siana's Book, j'ai rencontré Manon de Vibration Littéraire. Je me suis retrouvée dans des files d'attente avec des gens incroyables. Donc c'était super, vraiment. Je suis ravie. Je vais essayer de vous dire qui j'ai rencontré selon la file que je faisais. Et je vous mettrai évidemment tout leur réseau en barre d'infos. Ça va me prendre un temps monstre, mais j'y tiens parce que vraiment, si vous avez l'occasion de faire un tour sur les chaînes des copines et sur leur compte Booksta. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc j'ai un chat dans la gorge, je suis bien, bien enrouée. Je pense que Montreuil. Les transports, le train, le métro, le froid, c'est compliqué. Et je vous retrouve aujourd'hui dans une tenue pas spécialement très, très chouette. Mais je n'ai pas de chauffage chez moi. On est en panne. Et il fait plus. Enfin, il fait environ 0 degré dehors. Donc, je vous laisse imaginer. Bref, trêve de blabla. Et c'est parti pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu acheter et dédicacer lors du salon. Ça va durer un moment, c'est une sorte de book-haul et je pense que du coup ce sera le seul book-haul d'ici la fin de l'année parce que clairement j'ai craqué, vous allez voir ça. C'est parti, je vous en ai parlé dans une de mes récentes vidéos il me semble. J'ai pu faire dédicacer Riposte de Louise Arède, publié chez Bayard et traduit par Clémentine Beauvais. Donc j'ai ma petite dédicace. Et j'étais ravie parce que vraiment l'autrice est adorable, elle est anglaise, enfin elle est anglophone en tout cas, mais elle est super gentille, c'était très intéressant et il n'y avait pas beaucoup de monde et j'ai rencontré à cette occasion Gladys des Pépites de Gladys
et les lectures de chat, donc Charlotte et Edwige Book, j'ai perdu son prénom, je suis désolée. Donc ils sont sur Booksta et vraiment elles étaient adorables et je les ai recroisées à plusieurs occasions. Donc vraiment, une des premières dédicaces où j'ai pu rencontrer autant de monde, c'était trop cool. J'ai également pu faire dédicacer mon exemplaire d'un si petit oiseau que je n'ai toujours pas lu. Donc c'est écrit par Marie Pavlenko et c'est publié chez Flammarion. Et j'étais avec lectrice à plein temps, donc je ne connaissais pas du tout. Mais c'est une fille qui est sur Bookstagram principalement et qui est assez connue. Je m'excuse, mon chien est en train de faire une bêtise. Qu'est-ce que tu manges? Donc j'étais ravie, Marie Plamenco c'est quelqu'un de très intéressant, elle est très gentille. Et j'en ai profité du coup chez Flammarion pour acheter deux autres livres. Donc j'ai acheté Elle et le vent furieux, donc écrit par un collectif d'autrices, dont Marie Pavlenko, mais il y a aussi Marie Alineau, Flore Vesco, plusieurs personnes. On est ici sur la voix de Dame Nature qui se venge des humains parce qu'ils font n'importe quoi dans la nature. Donc très très hâte de le lire, il était sur ma wishlist depuis très longtemps. Et j'ai aussi acheté Charamba, donc Hôtel pour chats, c'est de Marie Pavlenko et illustré par Marie Voyelle. Donc il y avait les deux personnes, Marie Pavlenko, j'en ai profité également, et Marie Voyelle qui est donc une illustratrice pleine de talent. Et donc j'ai eu une jolie dédicace, donc j'ai un petit marque-page, j'en ai profité, hein, les marque-pages, ma vie. Et du coup j'ai eu une jolie dédicace, comme vous pouvez le constater, donc le petit chat qui est là. C'est moi qui l'ai choisi et je le trouve vraiment trop mignon. Donc c'est la littérature jeunesse, des histoires de chats. Et vraiment, j'ai très très hâte de le lire parce que j'adore la littérature jeunesse. Illustrée comme ça fait du bien au moral quand on se plonge dans des très très gros livres. Donc plutôt cool. On va passer à mon plus gros craquage. Donc c'est sur les stands de Screenéo et de Gulfstream Édition. L'équipe est adorable, vraiment, ils étaient vraiment adorables. Sincèrement, j'ai jamais vu ça. Et à cette occasion, on a rencontré Juliette, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. J'ai même mangé avec elle, donc c'était super cool. Elle est sur Booksta et Booktube, et c'est une personne adorable. Donc on a passé beaucoup de temps ensemble, c'était trop cool. Et chez Gulfstream, j'ai vraiment, vraiment craqué. Je vous montre ça tout de suite. Donc à l'origine, j'allais sur ce stand pour faire dédicacer mon exemplaire de. Un dernier lion, le dernier lion d'albâtre, pardon, de Dana B. Challis, publié chez Gulfstream. Et donc j'ai pu avoir ma jolie dédicace. Et c'est là que, enfin c'est là que ça a commencé, c'était la fin de tout. Donc sur ce stand, il y avait également la future publication de la même autrice, donc Dana B. Challis, qui va sortir Mystic Flown, donc il était en avant-première, c'est le premier tome d'une duologie et il ne sort qu'en mars. Et en fait, au départ, je n'avais pas compris, donc je ne l'avais pas pris. Et c'est Charlotte des Lectures de Chat qui m'a dit, mais c'est une avant-première en fait. Non, c'est pas les Lectures de Chat, c'est les Pensées de Chat. Bref, Charlotte, si tu passes par ici, bon ben, merci beaucoup de m'avoir fait craquer, hein. Et il est vraiment très très beau, donc là on est sur du grand Gulfstream. Je vous montre un petit peu. Je suis vraiment désolée, je vais pas arrêter de tousser, mais j'ai vraiment tellement mal à la gorge. Donc voilà, une vraie beauté et il me donne très envie. J'ai pas trop lu le résumé, honnêtement. Juste la couverture et l'autrice qui est adorable, ça m'a motivée. À côté de Dana B. Challis, il y avait donc Arnaud Druel et j'ai acheté le premier tome Alors, Le Crépuscule des Urnes. Donc toujours chez Gulfstream et je le trouve magnifique. Je ne sais pas non plus le résumé. En fait là c'est pas la couverture, même si elle est sublime, hein. C'est le titre. Donc Crépuscule des Urnes. Je trouve que ça sonne très onirique, très beau. J'ai vraiment super hâte. Et l'auteur était très drôle et il m'a beaucoup fait rire. Et pareil, j'ai ma jolie dédicace. J'ai essayé d'acheter quasiment que des livres que je pouvais faire dédicacer parce que c'était l'occasion. Sachant que les autres livres, je peux les trouver quoi qu'il arrive en fait. Donc voilà, j'étais ravie. Quand je vous dis que j'ai craqué chez Gulfstream, j'ai vraiment craqué. J'ai également pris donc le premier tome de Sorcier, Les Sources de l'Ombre de Maxime Fontaine et Romain Watson. Et il y avait Maxime Fontaine. Et là, c'est une de mes dédicaces préférées. L'auteur dessine. Donc voilà. Et tout le monde m'a dit, mais prends-le, 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 il est exceptionnel.
Donc le tome 2 était sur le stand. Moi, je me suis dit, je vais prendre que le tome 1, comme ça, je découvre. Et j'ai super hâte. Donc, c'est tiré d'un jeu de rôle inventé par le frère de l'auteur avec qui j'ai bien pu discuter. C'était super intéressant. Enfin, vraiment, l'équipe de Gulfstream, ils étaient tellement drôles tous. C'était génial. Et le même jour, donc, à côté de ces trois joyeux lurons, il y avait Ellie S. Green, donc l'autrice de Steam Sailor, que j'ai dans ma wishlist depuis une éternité. Et tout le monde m'a dit que c'était extra, et il y avait une queue folle pour cette autrice, donc j'avais trop hâte. Elle est adorable, mais vraiment, elle est trop mignonne. Elle discute, elle prend le temps, c'était une superbe rencontre, honnêtement. Et j'ai vraiment trop hâte de me lancer. Enfin, et la dédicace est très très jolie aussi. Je vous montre les dédicaces, je sais pas si c'est très intéressant en réalité, mais je suis tellement contente de les avoir que je peux pas m'en empêcher. Donc voilà, trop contente, hâte de découvrir ça. De toute façon, j'ai hâte pour tous les livres que j'ai pris, hein, honnêtement, tout va à volo. Ma palle, je vous explique même pas. Toujours chez Gulfstream, mais le premier jour, donc c'était pas prévu. C'était pas des auteurs que j'avais sur ma liste. Mais ça me tentait pas mal. J'ai pris Il n'est si longue nuit de Béatrice Nicodème. Donc toujours chez Gulfstream, dans la collection électrogène. Et donc là, on est sur des jeunes qui vont découvrir la vie à l'époque de Hitler. Donc j'en sais pas beaucoup plus, mais c'était super intéressant. L'autrice avait l'air, enfin était adorable, donc super. Vraiment, c'est vraiment pour ça aussi que je craque en salon. C'était mon premier salon, hein. Donc ça explique aussi le craquage irraisonné. Mais j'avais pas spécialement prévu de craquer autant, mais en rencontrant les auteurs, autrices, je me suis dit mais en fait je veux tout, ils sont trop intéressants, donc. J'ai pris celui-là qui est vraiment super joli, donc vraiment hâte et évidemment toujours dédicacé. Et puis j'aime beaucoup les auteurs prennent le temps de faire des jolies dédicaces et pas seulement une signature. Enfin, il y en a certains qui le font, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, il y a tellement de monde. Enfin, c'est impressionnant, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et je ne sais pas si c'est juste cette année ou si, je pense que c'est tous les ans comme ça, mais il y avait un monde fou. Enfin, vraiment un truc de dingue. Et à côté de Béatrice Nicodème, il y avait Fabien Clavel. Et j'ai pris la Traviata, réinterprétée par Fabien Clavel. Donc, c'est un opéra, je crois. Bon, quelque chose comme ça, réinterprété par l'auteur. Et c'est pareil. Donc, j'ai pu le faire dédicacer. Et j'avais très envie de le découvrir. C'est chez Gulfstream dans la collection Prélude. Donc il y en a plusieurs des comme ça et ouais, j'ai très hâte de découvrir ça, c'est assez classique du coup, mais réinterprété, donc pourquoi pas, à voir. Et à côté du stand de Gulfstream, il y avait le stand de Screenéo. Et Screenéo, je ne connais pas beaucoup la maison d'édition, mais ils accueillaient Aurélie Wallenstein qui a publié beaucoup de ses livres chez eux. Et moi j'étais en train de lire Le Dieu Oiseau, comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, donc j'ai pas eu le temps de beaucoup lire, mais je suis toujours dans Le Dieu Oiseau. Je voulais le faire dédicacer parce que j'aime beaucoup, sauf que j'avais oublié mon livre. J'avais oublié mon livre chez mon frère, donc ben, j'en ai racheté un. Oui, non, on en a à ce point-là. Et donc j'ai acheté L'Épée, la Famine et la Peste, le tome 1, sachant que le tome 2 était en avant-première également sur le stand de Screenéo. Donc j'ai une jolie dédicace d'Aurélie Wallenstein qui est très gentille, très intéressante et très simple. Elle se prend pas la tête et c'était super cool. Et elle m'a vraiment donné envie de lire son livre. Elle m'a dit, mais vous me ferez un retour et tout, trop mignonne. Enfin vraiment, j'ai hâte, sachant que c'est des univers hyper sombres et que l'autrice est assez solaire. C'était une drôle de rencontre, mais j'ai adoré. Donc j'ai super hâte de lire celui-là. Et les éditions Screenéo pour les livres d'Aurélie Wallenstein, pardon, ils font des couvertures, mais enfin, il se passe quoi? C'est trop beau. Enfin, j'adore. Donc, super hâte. Évidemment, comme toute personne quasiment de ce salon, j'avais envie de rencontrer Vivi Schwab. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Vivi Schwab. Je pense que vous l'aurez vu dans les images. Sinon, je vous le mets maintenant. Et du coup, j'étais sur le stand de Lumen. Alors, la première fois que j'y suis allée, c'était pour avoir des renseignements sur comment se passait la dédicace. Et l'équipe, pareil,
Adorable, enfin vraiment l'équipe Loumen, ils étaient trop mignons, vraiment trop gentils. Et je papotais avec une des personnes qui était là et je lui disais, mais j'ai quasiment tous les livres qui étaient présentés, vraiment, genre, Loumen, c'est une maison d'édition que j'adore. Et elle me disait, est-ce que vous avez lu ceci? Donc c'est Les Monstres de Rookhaven de Padraig Kenny, illustré par Edward Bessison. Et elle me dit, si vous les avez pas lus, nous on a versé notre larme dans l'équipe. Donc vraiment lancez-vous. Et c'est des livres qui étaient sur ma wishlist depuis longtemps. Et si on achetait de Loumen, on avait le droit à un goodies. Donc oui, vous ne rêvez pas, j'ai craqué pour la duologie. Et ça fait partie des livres qui ne sont pas dédicacés parce que l'auteur n'était pas là. Mais j'ai tellement hâte de les lire, enfin vraiment. Et ils sont tellement beaux, ils sont tous illustrés. Enfin, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des détails sur les pages. On a des très belles illustrations. Donc, j'ai hâte. J'ai donc pu choisir un goodies vu que j'ai acheté les deux livres. Et je vous en ai sans doute parlé. Je suis fan de Cassidy Blake. J'ai lu les trois tomes qui sont sortis jusqu'à maintenant. Et il proposait ceci. Donc, je ne sais pas si vous le verrez bien. Le livre a fait boum. Donc, c'est Le Petit Miroir de Cassidy Blake. Je cache ma tête. Voilà. En collier. Et je le trouve juste trop joli. Et je suis trop contente de l'avoir. Moi, je suis une gamine. Quand il s'agit des goodies, je suis une gamine, hein, vraiment. Donc, j'étais ravie. Mais, si ça s'arrêtait que là, ça serait pas mal. Je suis montée à Montreuil avec mon exemplaire de La fille invisible d'Addie Larue et j'ai pu avoir ma dédicace de V.E. Schwab. Voilà. Donc, For Melissa avec sa signature. C'est une autrice incroyable. Elle est adorable. Elle avait très peu de temps à accorder à chaque personne, mais elle a pris le temps de nous parler quand même. Je lui ai dit que mon préféré, c'était Galante. Et si je vous dis ça, ce n'est pas pour rien, c'est que j'ai appris au dernier moment qu'on pouvait avoir deux dédicaces, enfin deux signatures. Et je n'avais pas Galante en livre chez moi. Et donc je me suis dit, c'est l'occasion de l'acheter et de le faire dédicacer, sachant que c'est mon préféré de l'autrice. Donc j'ai ma dédicace dans Galante. Voilà. Donc il était un peu abîmé et un petit peu sale, mais c'était le dernier sur le stand. Je pense qu'ils ont été dévalisés. Donc j'ai mon exemplaire de Galante. Et pour un deuxième roman, Loumen, on pouvait avoir un autre goodies. Donc j'ai pris le dernier tome de Cassidy Blake que j'ai déjà lu en e-book, mais que je voulais absolument, parce que je veux tous les livres de V.E. Schwab. Enfin, je crois qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Mais encore plus maintenant que j'ai rencontré l'autrice, elle a pris le temps de me parler, elle a pris le temps de me dire qu'elle était contente que je dise que Galante était mon livre préféré. Parce que souvent on lui dit que c'est Addie Larue. Et elle a aussi essayé de parler français parce que je lui dis, elle me dit bonjour, vous allez bien ou quelque chose comme ça. Et je lui dis, mais vous parlez bien français? Et elle me dit, non, pas du tout. Alors elle me l'explique en français en plus. Elle me dit, oui, mon père est français, mais je parle pas très bien français. Et il vit ici, mais moi, je maîtrise pas. Et elle me disait tout ça en français. Du coup, sa traductrice à côté, elle me disait, si, si, elle parle très très bien français, hein, clairement. Et c'était trop mignon, enfin elle est très très mignonne et j'ai en plus rencontré dans la file donc mes mots littéraires Henrika qui est une Québécoise qui est venue représenter donc les éditions québécoises et donc c'était sa première fois en France et elle est géniale, c'est devenu une amie, on se parle souvent maintenant. Et vraiment, on a pu la rencontrer ensemble et du coup, elle en a profité pour filmer la rencontre. Donc, je suis très émue parce que non seulement j'ai rencontré V.E. Schwab, mais en plus, je me suis fait une amie. Et c'était vraiment un des meilleurs moments du salon. Donc, merci V.E. Schwab, merci Loumen et merci Henrika, vraiment. Parce que... Ok, on va changer de sujet parce que vraiment je suis trop émotive et en plus avec la luminosité, je vais ressembler à une grosse patate, enfin à une grosse tomate rouge. Mais merci pour tout, c'était génial. Comme je vous disais, on avait droit donc à deux goodies, enfin à un goodies quand on achetait deux livres et donc je vais pas la sortir l'emballage. J'ai eu droit à une petite pièce comme ça de collection de tirée du roman Vicious, donc de V.E. Schwab. Et pas Vicious de Savage Song, oh là là, je m'en mêle. Donc le dernier roman publié chez Loumen, dont la suite a été annoncée très récemment. Donc trop bien.
Je suis trop contente. Vraiment, j'aime trop les goodies de toute façon. Donc, je suis une gamine. Hein. Et voilà. Cette rencontre avec V. Schwab, on avait comme cadeau un poster. Enfin, un petit poster avec du coup ces sagas. Donc, on a Cassidy Blake. Au milieu, on a Shade of Magic. Et la dernière, c'est Vicious. Il me manque Vicious, hein, clairement. Mais sinon, tout le reste, j'ai. Voilà. Je suis ravie parce que j'ai tout. J'ai pas encore lu Shade of Magic, mais j'ai commencé et j'adore. Et puis c'est une des sagas préférées d'Emily de la chaîne La Bibliothèque d'Emilia, donc je sais que ça va être bien, parce que je fais confiance à Emily, que j'ai d'ailleurs vue sur le salon et j'ai pu lui faire un petit coucou. Elle est avec Livre Romancienne, donc Aurélie, et La Citadelle de mes lectures, et j'ai perdu son prénom, je suis désolée. Je suis très mauvaise pour les prénoms, donc je suis vraiment désolée pour tous ceux que j'oublie. Mais c'était cool de les voir. Je les avais déjà vus lors de ma dédicace de J. Christophe. Mais toujours un plaisir. Il y a tellement de livres partout que j'ai complètement oublié de vous parler de Pascal Perrier que j'ai pu rencontrer sur le stand de Scrineo. Et donc j'ai lu Jukebox, c'est la dernière lecture que j'ai faite avant d'aller au salon. Et je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. J'ai adoré cette lecture. C'était très 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 prenant et du coup j'ai pu rencontrer l'autrice et en discuter avec elle et je lui dis oui le sujet n'était pas facile et ça me faisait un peu peur, elle m'a dit ah oui c'était casse-gueule hein, clairement et j'ai dit oui oui tout à fait, elle m'a fait beaucoup rire et c'est quelqu'un de très très sympa et j'ai hâte de découvrir ce qu'elle va faire d'autre, donc je vous montre la dédicace et vraiment je vous recommande le livre si vous n'êtes pas trigger par le sujet par contre et l'autrice était très très cool. Et du coup, j'ai hâte de découvrir d'autres choses d'elle et puis des deux personnes qui l'accompagnaient. Il y avait deux autres autrices qui dédicassaient que je ne connaissais pas et j'avais vraiment pas le temps de discuter en plus à ce moment-là. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir un peu plus Scrineo parce que c'est vrai que je connais vraiment pas assez. Donc j'étais ravie de pouvoir faire dédicacer ce livre-là. J'ai, dès le premier jour, voulu aller sur un stand d'une maison d'édition, donc d'un représentant de différentes maisons d'édition réunionnaise, donc de l'île de la Réunion, et donc je suis à moitié, enfin ma maman est née à la Réunion et j'ai grandi dans la culture réunionnaise, donc ça me tenait à cœur d'aller voir et de rencontrer les auteurs, parce que c'est vrai que la littérature réunionnaise j'en vois peu, surtout en France, enfin en métropole, et du coup j'avais hâte de découvrir, et j'ai pu rencontrer donc Joël Écormier qui a écrit donc Co. Donc vous voyez, c'est des maisons d'édition qu'on ne connaît pas. Donc là, c'est qu'on ne connaît pas. Qui ne sont pas courantes en métropole, pardon. Donc c'est Co de Joël Écormier aux éditions... Alors, Zébulo Édition. Donc voilà. C'est un roman initiatique. Donc je n'en sais pas grand-chose. Je fais confiance à l'autrice. Donc j'ai pu le faire dédicacer. On ne voit rien parce qu'elle a signé en bleu clair et la lumière. Mais bon, voilà. Hâte de voir ça. J'ai également pris à cette autrice, donc « Cher moi », donc c'est les lettres à l'ado que j'étais et lettres à l'adulte que je serai. Donc c'est chez Seuil et donc c'est un recueil de lettres, donc c'est un roman épistolaire. Et il y a plusieurs auteurs qu'on connaît, enfin qui sont assez connus dedans. On a Clémentine Beauvais, on a donc Joël Écormier évidemment, Anne-Fleur Multon, Pomme, Bertrand Puard, Amélie Sarne, et enfin voilà, vous avez une grande liste d'auteurs. Et j'ai hâte de le découvrir, j'étais contente de pouvoir le faire dédicacer du coup à Joël Écormier, et un jour j'espère pouvoir le faire dédicacer à Clémentine Beauvais, parce que je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer, et j'ai hâte, j'aimerais tellement, enfin bon bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir, j'adore les lettres, le format épistolaire c'est un format que j'adore, donc... très envie de le découvrir, je pense que ça se lira tout seul. Également sur ce stand, j'ai pu rencontrer donc Sarah Code qui a écrit plusieurs albums jeunesse et qui les illustre. Donc j'ai pris Laika qui parle de chiens errants et de chats errants. Donc il faut savoir que c'est un très gros souci à La Réunion, il y a beaucoup beaucoup de chiens errants. Et c'est un album jeunesse sur ce sujet-là. Et elle me l'a dédicacé, sachant que c'est une illustratrice... Et voilà, vous pouvez voir le chien rose fait à la gouache. Et c'est une très très jolie rencontre. Elle était très gentille. Et elle était, enfin, ouais, très mignonne, très intéressante. Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça.
Et enfin, j'ai rencontré The Ocean. Donc, je suis arrivée trop tard pour avoir l'autrice. Donc, j'ai eu que l'illustrateur. J'ai acheté Super Fernand, donc de The Ocean et de Isabelle Kichenin. Et c'est un album jeunesse sur le harcèlement. Donc, ça a l'air très intéressant. C'est un sujet assez sensible. Et du coup, c'est bien de le voir en jeunesse. Et j'ai eu vraiment une des plus belles dédicaces, je pense, de ce salon. Donc, toute cette page-là, hein, a été faite sur place. Donc, c'est fait à l'aquarelle. Et je trouve ça absolument magnifique. Et l'auteur a pris beaucoup de temps pour me parler. En plus, je suis arrivée juste avant sa pause déjeuner. Donc, je suis vraiment désolée. Mais voilà. Et donc, c'est les reliefs de la Réunion avec un paille-en-queue, qui est un oiseau endémique de la Réunion. Donc. Je suis vraiment hyper touchée, hyper contente. Et j'ai aussi droit à une affiche avec une illustration de l'auteur. Le problème, c'est que je l'ai oubliée à Paris. Voilà, je voulais pas l'abîmer dans le train. Et résultat, je l'ai complètement oubliée et je l'ai pas mise dans ma valise. Voilà. Dans l'optique de faire dédicacer Mémoire de la forêt, il fallait que j'achète le roman. Donc, j'ai acheté. Alors là, c'est pas au salon. Je vous ai fait quelques images. C'est directement à la librairie Le Renard Doré, qui est tenue par Michaël Brun-Arnaud, donc l'auteur de Mémoire de la forêt, publié chez l'École des loisirs. C'est un roman qui était dans ma wishlist depuis sa sortie. Donc il était vraiment, vraiment temps que je craque. Donc je l'ai acheté à la librairie et Michaël Brun-Arnaud dédicaçait au salon. Donc j'ai pu avoir une dédicace. Et il dédicaçait pas tout seul, il dédicaçait avec Sanoé, donc l'illustratrice du roman. Et elle a également dédicacé les romans qu'on lui donnait. Donc j'ai eu Monsieur Taupe, voilà, enfin Ferdinand Taupe, en dédicace. Et c'était une très belle rencontre. Michaël Brun-Arnaud, c'est quelqu'un de très intéressant. Sanoé également. Je pense que j'aurais pu passer toute ma journée avec eux, tellement ils sont intéressants. Mais il y avait un monde, mais un monde fou. Et comme ils prenaient le temps de papoter, ben c'est vrai que la queue s'allongeait, s'allongeait, on n'en finissait plus. Donc j'étais vraiment ravie. Et le tome 2 a été annoncé, la couverture a été présentée. Et j'ai vraiment trop hâte de le lire. Je l'ai commencé et j'aime déjà énormément. Et dans cette même librairie, je voulais aussi prendre le dernier tome du Grimoire d'Elphie, donc le dernier tome qui est paru, donc on voit de la neige, donc je pense que c'est la saison parfaite. Donc le Grimoire d'Elphie, c'est fait par Arleston, Midi Ludwin et Audrey Alouette. Et Audrey Alouette dédicaçait au salon, mais je m'étais trompée sur les horaires que j'avais notés, donc je n'ai pas pu la rencontrer. Donc je l'ai acheté sans pouvoir le faire dédicacer. Mais c'est partie remise, je la verrai un jour parce que j'adore le Grimoire d'Elphie et j'adore Magic Charlie que je suis en train de lire encore. J'ai pas pris le temps de le finir. Le tome 1 en plus, donc j'ai encore un peu de temps, mais tant mieux, ça me donne du temps pour découvrir ce qu'elle a fait jusque-là et de la rencontrer à une prochaine occasion. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir le Grimoire d'Elphie. Le deuxième tome m'avait été offert par le Souffle des mots pendant un concours et j'avais acheté le premier tome pour pouvoir le lire du coup. Et c'est un coup de cœur, je pense que c'est ce qui m'a mis dans les BD, sachant que moi je suis pas très très graphique. Et j'adore. Si vous connaissez pas, foncez, c'est trop mignon, c'est trop joli, que ce soit pour les enfants ou les adultes, je recommande à 100%. Espoir de pouvoir rencontrer Victor Dixen, j'avais emmené Vampiria, sauf que la queue était tellement énorme que je me suis dit, est-ce que je fais la queue pour rencontrer Victor Dixen alors que je n'ai pas lu ses romans? Je trouvais ça un peu dommage. Donc, sachant qu'il y avait d'autres auteurs dont j'avais lu les romans que je voulais voir. Mais par contre, à côté de Victor Dixen, il y avait Chloé Chevalier qui a écrit Loin des îles mauves, donc c'est chez Robert Laffont. Et elle était toute seule, il n'y avait personne devant elle, donc je me suis dit, je vais aller voir. Sachant que c'est un roman qui était dans ma wishlist depuis un moment. On y parle d'une personne, donc on y parle d'Ivanel qui est un héros né femme. Et elle doit, comme ses congénères, cacher son identité. Et on est dans un royaume de fantaisie, enfin dans un univers de fantaisie. Et j'ai trop hâte. Je trouve la couverture sublime. Ça change complètement de ce qu'il y a chez Robert Laffont. Et l'autrice est adorable. Elle est vraiment adorable. Si jamais vous avez l'occasion, elle est très gentille. Et elle m'a parlé pendant un moment. Elle m'a parlé de son autre saga également qu'elle a publiée. Dans une autre maison d'édition, et c'est dans le même univers. Ça ne se lit complètement indépendamment les uns des autres.
Mais donc là, on n'est plus sur de la jeunesse, mais elle m'a dit que clairement, c'était jeunesse adulte, enfin, ça passait complètement. Et elle a une autre saga, donc en adulte, si vous êtes intéressé. Et j'ai vraiment très très hâte de le lire, je le trouve trop trop joli et je suis trop contente d'avoir pu le faire dédicacer. Et du coup, j'ai un joli marque-page qui va avec et la dédicace. Donc, très belle rencontre. On approche de la fin. J'ai vraiment craqué, je m'en rends compte en présentant tout ça. C'est une catastrophe. J'ai enfin pu acheter, parce que j'avais déjà la carte de la maison d'édition, mais j'ai pu acheter En quête d'un grand peut-être de Tom et Nathan Lévesque. Donc, c'est un guide de la littérature ado. Et c'est aux éditions du Grand Mais en tout peut-être. cas, du coup, j'ai pu rencontrer les deux frères. Donc, l'un le premier jour et l'un le deuxième. Et du coup, ils ont tous les deux dédicacé le livre. Voilà. Et ils m'ont aussi passé un marque-page du Souffle des mots parce qu'ils en avaient sur le stand, donc j'étais trop contente. Et ils sont super intéressants. Si vous avez l'occasion d'aller les voir et de leur parler, ils sont très drôles, très intéressants. Ben, de toute façon, ils s'y connaissent en littérature jeunesse et c'est passionnant. Et c'est des personnes très accessibles. Et j'ai adoré, j'ai pu discuter avec eux, c'était trop, trop bien. Et du coup, je peux compléter enfin ma collection de cette maison d'édition. Parce que du coup, j'ai la carte qu'ils avaient faite des 100 livres jeunesse incontournables. Et j'ai le guide que j'ai hâte de feuilleter et de découvrir. Et enfin, alors, oh, enfin, bon, on n'est pas tout à fait sur la fin, mais j'ai fait un tour aux éditions du Chat Noir. Et je ne connaissais pas la maison d'édition. Et j'ai craqué. Autant que chez Gulfstream. C'est six Oui. livres sur le stand de cette maison d'édition. Et le premier, c'est Le Labaï, donc je le prononce très mal, je pense, de Claire Guillot. Donc Claire Guillot, c'est une autrice, mais c'est également la fondatrice de la maison d'édition, avec qui j'ai pu discuter le premier jour. Et là, on est sur une personne qui rêve de devenir écrivain, mais on est sur un conte un peu gothique, et la couverture est juste trop belle. Et l'autrice m'a beaucoup donné envie, donc j'ai hâte de me plonger là-dedans, ça sera lu assez vite, je pense. Également par cette autrice, mais pas que, j'ai acheté Tragic Circus, donc c'est de Cécile Guyot et de Mathieu Guibé. Mathieu Guibé qui a coécrit Ashes Falling for the Sky avec Ninderman. Et donc il était présent sur le stand et j'étais un peu gênée parce que je savais pas du tout à quoi il ressemblait alors que je connaissais son nom et que je savais que j'avais envie de le lire, mais je ne savais pas du tout le visage qu'avait cet auteur. Et donc j'ai pris Tragic Circus que j'ai pu également faire dédicacer par les deux. Et c'est pareil, j'en sais pas grand-chose, hein, honnêtement. J'ai dû lire le résumé sur place. Ça se passe dans un cirque et ça a l'air plutôt sympa. Et toujours de Mathieu Guibé, j'ai pris Lorsque nous étions morts. Le titre, je sais pas, la couverture, le titre, tout m'attirait. Et Mathieu Guibé, c'est, j'avais envie de le découvrir, mais je suis pas très contemporain jeunesse, donc je me suis dit autant commencer par ça. Et peut-être un jour je me lancerai dans ce qu'il a écrit avec Nine, sachant que j'adore Nine, je la suis depuis très très longtemps, et j'ai jamais lu ses livres, donc j'aimerais bien quand même. Et du coup, j'ai une très très jolie dédicace. J'adore comment il a écrit mon prénom. Vraiment, c'est trop beau. Voilà, je suis très très contente. Et j'ai hâte de voir Et ça. enfin, Oui, ça y est, c'est mon dernier achat. Je pense que ça suffit. J'ai pu acheter et faire dédicacer les chroniques Zomérides de Alison Germain, donc Lily Bookin sur YouTube. Et il y avait une offre pour la trilogie, donc normalement c'est des tomes qui sont à 20 euros unité, et là c'était 40 euros les trois. Ce qui explique que j'ai craqué, c'était le dernier craquage du salon, c'était pas du tout prévu. Mais voilà, j'ai pu les faire dédicacer, ils sont tous dédicacés, donc je vais pas tous vous les montrer parce que ça n'a pas grand intérêt pour vous, mais ils sont tous dédicacés. Mais ce qui est génial surtout, c'est que j'ai pu parler avec Alison, qui est quelqu'un de très riche, de très intéressant, et elle a beaucoup d'imagination, elle a beaucoup de culture, vraiment sa culture sur la mythologie, mais juste aller voir ses vidéos, elle est incroyable, elle est très gentille, très humaine, très accessible, et elle m'expliquait ce qu'elle voulait faire après, ce qu'elle avait fait jusque-là, comment elle avait un petit peu réfléchi ses histoires. Elle m'a parlé du fait qu'elle voulait aussi se tourner vers la romance. Récemment, elle a sorti une romance, donc Let Your Heart Be Light.
Voilà, en auto-édition. Donc, vous pouvez la retrouver sur sa boutique. Et bah, je pense que je vais la prendre à un moment ou à un autre. Donc, c'est une romance de Noël. Enfin, c'est une nouvelle de Noël. Hein. Et donc, c'est assez court. Mais j'ai très envie de la découvrir parce que vraiment, elle m'a donné envie. Et c'est quelqu'un que j'adore. Et j'étais très émue de pouvoir la rencontrer. D'ailleurs, je trouvais difficilement mes mots. Je savais pas trop comment lui parler, alors que c'est quelqu'un d'hyper accessible. Hein. Mais je perds mes moyens face aux auteurs. C'est impressionnant. Mais en tout cas, j'ai enfin les chroniques Zomeride que j'avais envie de lire depuis qu'elle les a écrites. Donc vraiment depuis la sortie du premier tome. Et j'ai juste qu'une hâte, c'est me plonger dedans. Et je lui ferai un retour parce qu'elle m'a demandé de lui faire. Et elle m'a dit merci de me faire confiance parce que j'ai pris les trois d'un coup. Mais j'étais obligée parce que je sais que je vais adorer. J'adore la mythologie grecque. Je suis en fac de lettres. Donc c'est vrai que c'est une culture qu'il faut avoir quand on est en fac de lettres. C'est quand même utile. Et j'ai trop hâte. Ouais. Avant de vous quitter, je vous montre. J'ai juste craqué pour ce petit marque-page. On ne va pas le voir avec le reflet. Oh, dommage. Donc c'est le chat académicien des chats enchantés. Et c'est aux éditions Au bord des continents. Donc ils avaient plein de jolis marque-pages. Et celui-là est plastifié. Donc je l'aime beaucoup. Et puis un chat qui lit totalement pour moi. Et je voulais aussi vous montrer la carte. Donc il fallait avoir un ticket pour rencontrer Vili Schwab. Et juste regarder la carte comme elle est jolie. Donc c'est à l'effigie de Dee Savage Song. Et je pense que je l'afficherai parce que je la trouve trop belle. Et c'en est tout pour cette très longue vidéo qui sera un vlog book haul, le retour de salon. Vraiment, j'ai qu'une hâte. Alors, c'est me reposer déjà, hein, clairement. L'année est finie, ça va faire du bien. Mais c'est vrai que je pense que je ferai d'autres salons à l'occasion parce que c'est une ambiance que je connaissais pas. Et rencontrer autant de personnes qui aiment lire, autant d'auteurs, autant de... Enfin, il y a une effervescence autour de la lecture qui est incroyable. Et j'ai pas beaucoup de personnes dans mon entourage avec qui je peux parler de livres. C'est en partie pour ça que je me suis lancée sur BookTube. Mais là, c'était tellement plaisant et tellement enrichissant de pouvoir parler à toutes ces personnes. Donc je remercie chaque personne que j'ai croisée. Et j'ai hâte de recommencer, clairement. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée ou soirée selon quand vous regardez cette vidéo. Si cette vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un commentaire et à me dire quel livre, selon vous, je dois lire en premier dans cette très longue liste et lesquels vous font envie. Merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.